L'amour. Ok, l'amour. Tu sais, moi je n'ai plus cette idée d'un amour cornélien, non. Au début on s'aime au lit, sans se faire à l'idée que le sexe lit. Par la suite la braguette se ferme, les disputes s'installent et étouffent comme une minerve. Puis on devient deux amis hantés par les souvenirs, affaiblis par l'amiante de ces derniers. Le plus faible des deux finit comme un infirme alité. D'un amour solide, on arrive à un état de liquéfaction, comme les yeux de la pupille, et tout part en vapeur. Dis-moi où se trouve le port des sentiments amoureux. Tu y trouveras des millions d'êtres en pleine torpeur, voulant jeter l'encre dont le cœur est devenu poreux, puis peureux, car malheureux. Une fois le verre tombé avec tout ce qu'il contenait, il ne reste que des débris. Après avoir été cambriolé par l'amour, certains n'ont eu que leurs larmes pour parler et leur haine pour pleurer, qu'une goutte de pétrole pour éteindre leur flamme envers l'être aimé. À la longue, l'âme s'épuise à force de chercher l'amour, comme si chaque femme pouvait être femme d'une vie ou femme d'une nuit sans suite, pour que s'enfuient les rêves perdus. Certains peuvent en rire, certaines veulent me maudire. Mes mots caressent dont les mots puisent dans des souvenirs de sourires, de fous rires, de faux dires, de joues humides, de mouchoirs froissés, de mou, de roses trempées dans la boue, de love trop court et d'erreurs de parcours. Parcours dans lequel on croise des anges déchus qui menottent avec leurs auréoles. Souvent on ne parvient plus à conjuguer le verbe aimer, à part pour se subjuguer. On oublie quelle prière dire pour ne plus souffrir. On s'isole, on se sent si seul, le cœur ciselé, on finit par en finir à coups de ciseaux. Pour fuir les lubies, on s'invente en amour à usage unique, à sens unique, pour épancher et s'empêcher de se dire perdant, on se penche sur le premier prétendant sans considérer ses penchants. Souvent, on se résigne à dire oui pour ne pas être seul. Mais n'est-on pas mieux seul plutôt qu'à trois? Hein? Hein? Mes yeux clignent et l'espace d'un temps je fus si bien dans ses bras. Si bien, j'en perdis la notion du temps. Tant les formes et les sensations dépassaient l'entendement, mais lorsque mes cils se décidèrent à cesser de s'entrelacer, je me suis uni de passion avec la réalité, son charme brutal, son arrivisme et son ironie séduisante. Cette petite touche d'inattendu, cette corde tendue vers un futur inconnu. Connu dans sa trame et inconnu dans son âme, j'eus juste le temps de souhaiter que mon cœur se plisse moins. Mais il était sûrement déjà trop tôt. Mon flirt avec la réalité me coûta quelques larmes, un peu de peau et le corps déchu d'un ange. Quelques pensées épaisses plus tard, je décida d'affiner mon jugement sur mes grandes erreurs, afin que la taille du caillou résidant dans mon cœur se réduise harmonieusement avec celle de mes semblables. Je venais de normaliser une part de moi-même, j'étais finalement comme les autres. Mi-meurtri, mi-blessé, mi-meurtrier, mi-victime. Au fond, au fond. Au milieu d'une rixe vicieuse et interminable que nous vivons tous, être amoureux. C'est beau comme une lame scintillante à la lune, n'est-ce pas? J'aurais, j'aurais. Et voilà que le conditionnel se saisit de mon verbe pour mieux souligner une hypothèse. Cette hypothèse est celle qui suit. Aurait-on été plus heureux si nous avions été différents? C'est juste, très juste. Aux amoureux de la dernière heure, je dirais ceci. Vas-y, vas-y. Aux femmes polyandres, je dirais ceci. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Aux hommes polygames, je dirais ceci. Vas-y, vas-y, quoi? Rien en fait, rien. C'est ce qu'on disait. Au niveau de l'amour, moi j'ai plus rien à prouver. Moi non plus. C'est-à-dire, mon père s'appelle Valentin, qu'est-ce que tu veux que je... Hein? Voilà, moi je... Hein? Ah bon, de toute façon, à part le sexe... Vas-y, dis-leur. Y'a rien qui compte, hein, à part le sexe. Ouais, ce que je disais, vous dire ça sert à quoi d'aimer, hein? Bon, une relation, bon, ça se consomme, hein, et puis après quoi, ça se jette, hein, et puis voilà. C'est-à-dire, on est dans une société de consommation, ben, on consomme, voilà. Je sais que ça peut choquer, c'est... Hein, non, mais... percuter l'âme de certains, mais bon, voilà, je suis désolé. Bah, moi, j'ai pas d'état d'âme, hein, non plus, hein. Bon, pourquoi
pourquoi être si sérieux, c'est vrai, hein, au fond. C'est quoi tous ces principes et ces valeurs, hein? On essaie de traduire quoi, là, dans cette société, hein? C'est vrai, bon, on a voté Sarkozy, bon, c'est déjà pas mal, hein. Après, vous voulez quoi de plus? Donc, sérieusement, non à l'avortement, mais oui au sexe en capote, hein.